Vous allez me laisser looter, tas de pimpons? Non, parce que je voudrais pas dire, mais je voulais looter, vous m'en avez empêché, vil malandrin. L'entrée de cette pimponnerie de tombeau, elle est sur ma droite. Voilà. D'abord, on loot. Yeah! Ça, c'est la classe, les bitches. Attends. Oh, merci pour l'os, Madenzo. Ah non, là. Là, mais non, là. Je crois pas que les loots peuvent dispawn, il me semble pas. Après, je l'ai pas vu faire, mais je sais pas si c'est une éventualité. Ah non, mais je suis d'accord, là, le jeu, il m'empêche de looter, je suis pas d'accord. C'est rien qu'un méchant, le jeu. Ok, hop. Ok, à quand le feu de camp qu'on ait un point de sauvegarde? Je crois qu'on y est. Temple des servantes. Cette grotte a servi de lieu de culte. Je prends déjà ça. Alors. Oh! Tu veux looter les pixels qui montaient leurs garçons. Mais voilà, c'est tout à fait ça, Brian, c'est tout à fait ça. Et merci pour les bits. Alors, voyons voir. Déjà, j'ai un mécanisme que je peux activer. L'objectif étant d'aller là-haut. Déjà, si je grimpe de ce côté, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Des flèches. Avec une affaire de poids contre poids, peut-être. Alors, si je me mets là et que je tire ce truc. Ouais, on y allait un peu. Oh, d'accord, ça peut déclencher quelque chose, très bien. La musique, je crois qu'elle s'appelle Shooting Star. C'est une espèce de musique même. C'est j'ai découvert avec ce cher Guerra Truel qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Disons que si vous êtes là sur Discord, vous avez peut-être vu le montage qu'il a fait avec ce cher Ogma. Ok, donc on laisse passer ça et... Ok, c'est... Qu'est-ce qu'ils font ici? Ah mais je me pose la question, ma chère Lara. Ça ressemble à une pêcherie. Attends. Ah non, en fait, je l'ai pas mis comme il faut. Ok. Oh, attends, me demande s'il faudrait pas... faire ça, mais avec le bon timing. Parce que là, le machin, il fait le tout... Oui, ça se demande, ça doit être ça. La deuxième, je l'ai pas encore écoutée, monsieur Brazegali, mais la première, je t'avais dit que je l'avais bien appréciée. D'ailleurs, c'est du hard rock, metal tranquillou. Moi, tu sais que j'aime bien ce genre de musique. J'ai envie de dire, tu prendras pas grand risque en me donnant ce genre, en partageant ce genre de musique avec moi. Ok, on essaie. En fait, je sais pas si ce que je fais sert à quelque chose là. Ah oui, moi aussi je l'encourage à venir sur Discord, ce cher Nox. Je suis sûr qu'il y aura des gens qui seront contents de le voir. Attends, les flèches que je peux ramasser. Ouais. Ok, donc encore me manquer un détail là. Il y a un... J'ai dû oublier de faire un truc, je pense. C'est comme dans l'autre tombeau tout à l'heure. Et si... Attends. Et si je tirais simplement sans utiliser l'ascendeur? Non? Oh attends, je crois que j'ai compris. Je veux tester cette solution. Je fasse vite par contre. Il
Faut que je fasse vite, faut que je fasse vite. Yes, c'était ça. Ça, j'arrête de ce côté et de là. Ça me permet de choper cette barre. Hein hein. Merde. Mais je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Ah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Après, après Roxor, si tu me donnes des versions métal de ces Zik, là, moi, je dis, il y a peut-être moyen de moyenner. Parce qu'il y a un truc que j'adore avec les groupes de métal, c'est quand ils s'éclatent à reprendre des Zik un peu pop ou qui ont rien à... qui ont rien à voir avec ça. Ouais, ok, tu me confirmes que je faisais bien ce qu'il fallait, mon cher Zenkichi. C'est bien ce que je pensais. J'ai juste été un peu impatient. Là, normalement, ça devrait être bon. Non, c'est pas ça? C'est quoi le fuc? Attends, si... Je fais ça. Ah, ok, je... Fallait tirer sur la corde avant que ça arrive, d'accord. Ok, je pense avoir compris le timing. Ok, ça marche, monsieur Brazegali. Pense juste... Parce que je sais que c'est de quoi c'est un fan game. Pense juste à le mettre dans le channel adapté. Si t'es pas sûr, n'hésite pas à nous demander. On t'aiguillera où il faut. Trop tôt. Trop tôt, sa mère. Trop tôt, sa mère. Bon, eh ben on va attendre qu'il fasse le tour. En attendant, vous, ça va? La femme, les gosses, ça rapporte? Parce qu'on a encore pour un petit moment, le temps que machin, le temps que Jean-Michel Baril il fasse son tour là. Ou comme dirait ce chirogma, Baril White. Allez. Ah merde. Action métal de la musique Titanic du Céline Dion. Oh, ça peut m'intéresser, ça. Allez. Allez. Allez, encore un petit peu. Yes. Voilà. Si, bah en fait, vu que Nightbot a bloqué les liens, donne-la à un modo en privé qui la relaiera. Roxor. Justement, les Nightbot, il aime pas les liens. Quand Lara Croft est candidate à Fort Boyard. Et puis t'as genre ta Reyes à la sortie de la salle. Et Lara, sors, sors, sors. Yes, modification d'armes disponible. Yay! Pièce de pistolet, les bitches! Ça, c'est la classe internationale. Ah, puis en plus, on a la carte des géocaches. Bon, on va peut-être pas s'embêter avec ça aujourd'hui. Si je veux accéder à la chambre des rituels. Pistolet magnum, mais je dis. Je ne sais pas encore comment je vais convaincre les autres de remonter la rivière plutôt que de partir au large. Oui, remarque, au pire, oui, donne-la sur Discord, ça sera peut-être plus simple. Surtout Reyes qu'il ne sera pas facile. Alors silencieux. Canon poli, donc le canon il dit bonjour. Canon chargeur comme de grande tous. Capacité, mais c'est pas mal ça. Moi, j'aurais plutôt au niveau du de ce niveau là. Silencieux. Non, mais ça marchera pas. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri. Alors on va prendre le chargeur de grande capacité. Un hybride. Ah bah évidemment, je veux dire, de toute façon ce n'est pas un vrai épisode de Koh-Lanta si Denis Brognard ne lâche pas son A. Bon, j'ai encore quelques minutes pour se faire un petit peu d'exploration des familles. Elle fait des sauts de cabri, dis donc.
En même temps, il y a plein de trucs qui colleraient, plein de références à des trucs qui colleraient si tu vois, quand tu vois ce qu'on fait. Bon, maintenant qu'on a looté comme des porcs, où qu'on va? Où qu'il est mon objectif? Ok, il est de l'autre côté. Oh, oh, pop, 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 il y voit. Oh, c'est quoi ça? Je vois un truc qui brille à côté. Et vous connaissez le proverbe, tout ce qui brille est une géocache. Ok, ça marche, merci Roxor. Par là-bas. Ok, donc c'est cette tour-là qu'il faut escalader. Ah, la tour-là! Enfin, c'est la tour un petit peu plus haut. C'est genre là-haut, quoi. Par là-bas. Eh, hey, regarde, maintenant je peux passer, bitch. Mais oui. Alors, y a-t-il du loot en bas? Update, il n'y a pas de loot en bas. Hein. Tu grimpes là-haut. Oui, on va faire tomber le mur, mais évidemment. De vanne. Pas là-dedans. Mais en fait, si tu vois, on va monter là-dedans pour arriver en haut. Mais oui. De là, tu fais. Ah bah t'arrives là-haut. Mais oui. Et là, tu fais hop. What the fuck was that? The fuck is that shit, dude? Ah bon bah ça marche. À plus, mon cher Nox. Et puis, si tu passes pas sur Discord, j'essaie de venir sur test, ce serait bien aussi. Ok. Ah, il pleut des murs, lol. Quelque chose dans les environs, une géocache par là. Ah non, elle doit être au-dessus, hein. On n'est pas non plus complètement gueudin. Ah ah! Coffre de loot. Je veux grimper au sommet de ce truc là, je suis sûr qu'on peut. Ah bah hé, regardez, il y a du loot là. Il y a du loot là-dedans. Version métal d'Eminem, ça peut être pas mal ça. Ça peut être interesting. Ok, donc de là à... où ça? Là-haut? Ça m'a l'air d'être ça. Oh, ce vieux troll Outlife. T'arrives pile au bon moment pour le faire, je crois. Et yo, au passage. Ah, mais vas-y, j'appuie sur le bouton, ta mère. Sa maman la pimpon. Voilà. On remet ça. Eh c'est ça, j'ai glissé, chef. Et le bouton t'a... Il est à côté du bouton, putain, et du bouton, vas-y là. Et sur certaines manettes, il est à côté du bouton, mais non là. Bourrin. T'appelles, elle a pas froid aux yeux la Lara, hein. Oh, il y a quelque chose. Il y a même deux choses, regardez-moi ça. Une géocache. Et. Ein document. Dépasse toutes mes espérances. Bien sûr, yeah. Ces gens sont des fanatiques. Quant à l'équipage de l'endurance, c'est tragique. Mais j'avoue que cela renforce le côté dramatique. Le royaume mythique du Yamatai, les épaves et cette secte. Oh, il y a de la matière pour au moins deux documentaires. Quand même, une série. Seigneur, cet endroit va fasciner les téléspectateurs du monde entier. Et je serai au cœur de cela. Oh, quel soulagement. J'avais tout misé sur ce voyage. Mais je dois rester prudent.
La situation. Il est là, on parle. Bah, vas-y, moi je continue, poteau. Hein. Autre chose. Non, c'est bon, on dirait sur ce, juste ce petit point, c'est déjà pas mal. Alors, maintenant je suis arrivé ici. Ah bah tiens, attends, regardez, ça a une tronche de truc qu'on peut grimper, ça. Enfin, je crois. Attends, ah bah attends, bah non, regarde-moi la tête. Non, bah non, j'en reviens. Alors c'est quoi le fuc? Ah attends, je peux grimper là. Eh hey, baby, je peux grimper là. Voilà, puis de là tu fais oui. Puis là tu fais tout le tour comme ça pour arriver en haut. Je monterais pas à cette échelle si j'étais toi Lara, mais j'ai pas vraiment le choix je crois. Et d'une fois, eh, pas le temps, je dois looter. Putain, comment je ferais pas la moitié de ce qu'elle fait dans ce jeu, c'est dingue. Ok, puis là tu fais tu ramènes les trucs. Putain, j'avais pas confiance. Allez. Tu paries sur qui pour le prochain mort? J'ai envie de répondre yes parce qu'elle me gonfle. Bon, tu me diras, c'est un peu la voix de la raison quelque part, mais je sais pas, elle est, je la trouve un poil trop agressive par moment, elle me gonfle. Je m'éclate avec ces conneries, dis donc. Ah mais tiens, ça permet de faire un rappel très important, mon cher Zankishi. Merci de pas se poiler, hein, parce que bon, encore une fois, je découvre le jeu au fil de ces streams. Le gros monsieur d'abord, y'a. Oh non, lui ça a l'air d'être un bon gars. Ou alors le blond il sert un peu à rien. Moi je dis le blond Reyes. Les deux là ils servent un peu à rien, je trouve. Qui te regarde pas, poteau. Ah d'accord, il était déjà mort. Ah bonjour. Non mais les mecs, vous, ça marchera pas. Hein. Ok. Vous auriez pas un peu de loot en plus de ce que vous avez sur vous, les gars. Ok, Là? Mais oui, ma bonne dame. Faut descendre, faut monter. Eh? J'aurais peut-être pas dû. J'aime bien, je parie sur Lara juste au moment où je tombe. C'est un pari très... comment dirais-je, précis, mon cher Brian. Mais attends, je suis arrivé ici. Et c'est Brian qui a gagné, c'est ça. Je suis pas convaincu que ce soit... Ah, d'accord, j'avais pas vu la paroi escarpée. Ah oui, ça, les mecs, ils peuvent pas le savoir, ils sont pas programmés, c'est vrai. Voilà. C'est quand même mieux là. Karam, c'est pas mal là. C'était mieux là. Ok, bah. Probablement falloir. Oui, ok, je vois le truc que tu fais. Bah, tu vas peut-être pas y aller le fusil d'assaut, ma grande. Voilà. Oui. Allez. Continuation. Oh mais dis donc, espèce de petit pimpon. Voilà, hein. Vérifie des fois qu'il y a un truc dans le coin. Ok. Ah. Et
Est-ce que nous sommes de retour pour les 5 dernières minutes? Alors non, prévenir dans le chat, ça devrait être bon. Hop. Bon, ce que je peux faire les 5 dernières minutes de mon stream, s'il vous plaît. Ok. Oh, on a déjà un nouvel arc. Alors que machin nous en a donné un autre au début du stream, quoi, cette vanne. Putain, j'aurais pas fait ça ici, moi, sérieux. Bon, faudrait qu'on se trouve un petit truc, là. Genre un feu de camp ou un point de sauvegarde pour qu'on puisse conclure qu'on a un point pour reprendre la prochaine fois. Ce serait pas du luxe, moi, je vous le dis. Hein. On a un point de sauvegarde, mais j'ai presque envie d'atteindre un feu de camp. Ce sera peut-être plus... Ok, heureusement, il y avait de l'eau. Oh, je vois un truc qui brille. Et rappelez-vous, tout ce qui brille, c'est du loot. Ok, alors dans la base, un camp, 3 docks, 2 reliques, une 3 géocache, une carte au trésor et tueur solaire. Je sais pas de quoi ça s'agit, mais on va le découvrir. Je sais comment on appelle Shrek. Si c'est une vanne, je la connais pas. Mais vas-y, je t'écoute. Ok, il y aura un feu de camp pas loin. Comme ça, c'est bien. Si jamais on a un point de compétence ou des modifs, on les fait et puis on s'arrête après. Prochain stream, c'est autre chose. Ça se rappelait de la... Je sais pas, on va pas appeler ça une règle, mais de mon principe de base pour les streams, on ne fait pas 2 semaines de suite la même chose. Justement pour qu'il y ait un peu de variété dans le contenu. Ça sert à rien de dire qu'on se diversifie si on fait toujours la même chose. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Un pervers. LOL. Ok, y a-t-il un feu de camp dans les environs SVP? Ok, nouveau point d'intérêt. Léonie sont là. Mais oui. Léonie et Hallyday sont là. Ah bah voilà, il y a un feu de camp, parfait. Ah merde, évidemment. Yogi Mauve. T'arrives pile pour la fin du stream, dis donc. Peu après la découverte du tombeau, les Onis sont apparus. D'abord, les lumières se sont éteintes. Et puis, les hurlements ont commencé. Ce bruit abominable résonne encore dans mon esprit. Ils portaient les armures de mes ancêtres et nous attaquaient avec leurs épées. Des coups de feu, des cris, du sang... Nous n'avons rien pu faire pour les arrêter. Nous étions plongés dans le chaos. Puis, le silence. Ils étaient partis. Ouais. Comme tu dis, poteau. Qu'est-ce qui se passe ? Couché. C'est bon, je peux prendre le feu de camp maintenant, mesdames et messieurs ? Yay ! Alors, on échange l'arc à poulie contre l'arc de compétition, mais oui! Alors, point de compétence dans un premier temps. On a fait le survivant, est-ce que je continue? Ouais, je vais continuer le chasseur, je vais prendre expert en fusil à pompe. Voilà qui est fait maintenant. L'équipement. 250. Ah, peut-être des modifs à 250. Du coup, j'ai tous les trucs de l'arc. Gâchette porte-clés, lol. Alors 650, 300, j'ai pas un truc à 250, 350, donc pas ici. Fusil à pompe, j'ai pas accès à des modifs. 500, 500. Pistolet, y a peut-être un truc à 250. 350, 400, non. Bah du coup, je ne peux rien améliorer d'autre. Bon, en plus ça nous fait un point de sauvegarde. Où j'ai envie de dire que c'est plus ou moins le meilleur moment... Pour qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Bah du coup à plus Brian, tu pars pile à la fin du stream. C'est, j'ai envie de dire, c'est un bon timing. Du coup, les gens, on se quitte ici pour le stream d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bon, moi malgré les deux petites déconnexions, je me suis bien amusé. Ce jeu, il défouraille toujours autant du pimpon. La semaine prochaine, je sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais voir si je peux organiser un truc en multi ou voir des trucs avec des viewers. Sinon, ce sera Cuphead. Je verrai ça en réunion exécutive avec moi-même et les autres. Je vous tiendrai bien sûr au courant par Discord ou par YouTube. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!